Salut à tous, salut YouTube, bienvenue dans ce 52e épisode d'Elden Ring. On est parti pour utiliser l'objet clé qu'on vient de choper dans ce château qui est le... Attendez. Comment ça s'appelle déjà? Enfin, on a le médaillon de Dectus. Alors, le médaillon de Dectus, c'est très simple. C'est pas du tout là. C'est là-bas. Le grand ascenseur de Dectus. C'est là qu'on doit aller. Des bisous Lumus, passe une bonne nuit. Bon allez, je go essayer de voir si j'y arrive. Voilà. Oh là là, regardez-moi ça comme c'est classe. J'oublie de faire des screenshots encore. Donc, ce grand ascenseur là nécessite un médaillon que j'avais pas. Y brandir le médaillon. Ah mais c'est tellement... Oh là là! Salut Aliori! Et oui, parce que je dis au revoir à YouTube et bonjour à Twitch. Parce qu'en fait, je change de VOD. Je pensais que t'étais parti et revenu, c'est pour ça. Ah ouais, c'est tout ça l'ascenseur! Effectivement, c'est un grand ascenseur. Et on y est. Regardez, l'académie, elle est juste là. Oh là là, c'est méga classe! Gouré de boutons. Raté avec ton arc.
2500 âmes. Oh, et si on s'en faisait quelques-uns, là, de ces mecs-là? Parce que ça fait quand même des sous-sous, là, un peu, hein. Je plaisante pas. Ouais, en fait, c'est plus simple pour l'animation. Ils tournent les statues et toi... Ouais, bah oui. Franchement, vu la qualité du jeu, on va pas leur en vouloir. C'est pas grave. Le feu de camp. Où est-ce qu'il y aurait un feu de camp? Ouais, je t'ai vu, toi. Je t'ai vu. Oh là là! Bon bah clairement c'était ici la suite du niveau, hein. C'était pas là où j'étais. Hein. J'en chie mais j'en chie moins déjà. J'aimerais bien trouver un feu de camp au moins. Avant de faire tout ça, histoire de pas reprendre depuis le début. Où est-ce qu'il y aurait un feu de camp? Il peut y en avoir un dans le coin. C'est pas comme ça, jeu. Tu dois avoir un feu de camp dans le coin. Oh là là, c'est tellement classe. T'es rendu là, Marcus? Toi, tu l'as fait, cette partie-là? Aliori, tu connais la politique? Pas de spoil! Tu connais la politique pourtant, tu le sais! Tu sais, c'est le truc que disent tous les streamers du monde! Quelle que soit la langue! Je pose des questions de manière rhétorique! Ah bah voilà, regarde, il était là! Là, je l'ai trouvé! Non, c'est un spoil pareil. C'est juste que... Et je dis à voix haute. En fait, je parle à voix haute. Je dis, tiens, où est-ce qu'il peut être le feu de camp? Quand j'ai besoin d'un conseil, quand j'ai besoin d'un truc, de toute façon, je vous le demande. En vrai. Ensuite, la map est là. Très bien. On va essayer d'aller se choper juste la map. Parce que la map va nous aider à déterminer la grandeur un peu des lieux. Ah, la musique est folle, hein. Hop, toi, j'ai pas envie de t'attaquer tout de suite. La dernière fois que j'en ai croisé un comme ça, c'était un boss, mais je l'ai pas battu, en fait. Ah ouais, mais en fait, ok. Mon cheval! Ah
Pas vrai ça, mon cheval. Oula. Petit bug, lui, non? Mais non! C'était pas un bug! Voilà! J'ai repassé bouclier, hein. Mon bouclier me manque, en fait. Vous deux, par contre... ouais, à deux, vous allez être un peu chiant, je pense. Salut, Mister Order! Comment vas-tu? Je supporte pas les fights des cavaliers. C'est compliqué le fight en, à cheval. Hein. C'est vraiment compliqué. Je comprends qu'on n'aime pas. Après, je suis mitigé dessus. Je trouve un peu abusé, mais il y a des fois où t'as comme des moments de grâce. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des moments où tu trouves où le fight à cheval devient cool. Du coup, super. Et toi? Ben écoute, moi ça va très très bien. Je te remercie énormément de ton follow. Ça fait plaisir de te voir. Fais quoi de beau? Est-ce que tu découvres Elden Ring? Est-ce que tu joues? Voilà, c'est là que je voulais aller. Ok. Il parcourt au beau et mon bot. Et voilà, c'est exactement ce que je me disais. Regardez, la map est encore plus grande, putain. Elle est encore plus grande. C'est pas possible, hein. C'est gigantesque en fait. Donc, les points d'intérêt. Un là. Un là. Oh, très important. On va aller au 4 en premier. On va au 4 direct. Ouais, je joue pas mal. Je suis level 121. Nice. Nice. Par ici, level 60 et quelques. 60, hein, je crois. 69. Année érotique. Ouais, il dit bonjour mon bot, mais il sait pas mal faire que ça d'ailleurs, dire bonjour. Team 69. Ah, dommage, déception, déception. Je pensais que c'était une... Je pensais que c'était un endroit pour... Ah. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Neuf mille âmes. Tu vas pas m'emmerder, c'est mon église. Non mais oh. Et ma larme de vie. Tu joues un mage? Pourquoi tu demandes ça? Moi, je joue un indigent. Cent mille runes pour passer le level? Ah ouais. Ah, tu dois farm un peu, quoi.
Il n'y a pas de feu de camp, ils ont pas mis de feu de camp dans cette église, quoi, les petits bâtards. Je pensais au moins en trouver un de feu de camp. Et non, que nicht. Dommage. C'est dégueulasse, voilà. Oh la vache, Hommage au Deception, oh putain, Aliori. Attends. C'est par où? Je suis perdu, c'est par là-bas. Hop. C'était où? Ouais, hein, c'était là. Ah non, c'était plus loin, quoi. Ah, du coup... On descend dans cette vallée. Voilà. Merci, hein. Je le prends, écoute, tant qu'à faire. C'était classe la façon dont je suis mort à cause de ce mob, non? Un camp désert comme ça, ça m'inspire pas confiance. Vous savez. Et ça c'est un crabe, on s'en fout. C'est vite fait aller récupérer mes âmes quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Sont juste là. Oh la vache, il court vite.
Pour vite, et combien il donne? Je suis à 13 000 déjà encore. Ah, je gagne trop de niveau, quoi. Cool comme endroit ici. J'ai les 3 emblèmes fantômes. Ok. Mais d'accord, on voit l'église de loin, mais on la voit pas. Ah, pas de proche. Ok, donc les 3 emblèmes fantômes. Où est-ce qu'elles peuvent se cacher? Il me semble avoir vu que j'avais une carte dans mes objets. J'essaye de pas penser qu'il y a un bruit dégueu que j'entends derrière. Si tu gagnes trop de runes, c'est que la zone est pas probablement trop élevée pour toi. Du moins, si c'est comme dans les Dark Souls et les Bloodborne. Exactement. Exactement. Et la zone est trop élevée pour moi, mais mine de rien, il faut quand même que je gagne des runes là, un peu. Voilà, c'était celle-là. Une à droite et une en bas près des pierres. Ok. Map. Une à droite ici apparemment, une là et une en bas près des pierres là-bas. Et... non, c'est... très censé y en avoir une par là. Ouais, il y en a une juste là. Nickel. Mais pourquoi j'ai rangé mon arme? Oh là là, mais quel enfer! Dommage, il suffisait de les, de les toucher pour... toucher ça pour les tuer. Alors. Il y en a un autre? Ah ouais, il y en a un autre. Barre-toi, barre-toi! Ah, je suis mort. Ça, là, dans Bloodborne, il y avait un ennemi comme ça, il te vomissait des trucs dessus et ça faisait des asticots qui te grouillaient. Et quand t'enlevais ton armure, tu voyais que t'avais le corps recouvert d'asticots, c'était dégueulasse. Et à la fois très cool. Alors, je sais pas si c'est moi, mais ils ont l'air moins nombreux, les feux de camp, là. Toi, mec, je vais te faire ta fête. Toi aussi, là-bas. Moi, je suis on. Pour laisser Sang sortir la torche permettait de s'en débarrasser. Ah, c'était ça, hein, je m'en rappelais plus. C'était la torche? Putain, j'ai peut-être jamais su ça, dis donc.
Pas le temps, les gars, j'ai des âmes à récupérer. Raté. Ah. Non, non, non. Ouais, c'était par là. C'était par là. Tout ce que je veux, c'est mes âmes, là. Il y en a deux ici. Oh oui, un feu de camp. En fait, je me dis que j'ai peut-être pas le niveau pour être là non plus. Ça serait censé être par là. Ça serait censé être par là. D'après le plan, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il disait le plan inventaire? Montrer à un peu avant exactement là où je suis, en fait. Ça doit être genre à peine en dessous, quoi. Pardon. À lui, donc ça veut dire que j'approche. Voilà. Lui, il est là. Ça voudrait dire que le symbole, il doit être quelque part par là. Et il a repopé. Il a repopé. Où est-ce qu'il est, le symbole? Où est-ce qu'il est caché? En fait, à chaque fois, c'est une question de trois trucs à trouver. Et lui, c'est plus ou moins le gardien du symbole, donc... Je regarde parce qu'il arrive que ce soit genre dans la, dans les arbres, dans la, sur les murs, dans la falaise, quelque part. C'est
C'est pas un de ceux que tu as déjà fait. Alors, c'est le même genre d'énigme à chaque fois. Sauf que... Donc, c'est pas lui. J'ai quand même envie de dire que c'est en haut de la falaise, en fait. Eh, c'était ça. J'avais... J'étais pile dessus. Voilà. Et là, donc, du coup, j'ai dû révéler l'église. L'église qui est au point numéro 5, c'est-à-dire là-bas. Donc là, tu vois, voilà, maintenant l'église est là. Généralement, en haut, t'as un emplacement de sort en plus. Donc, assez important à trouver ces endroits. Voilà. Deux sorts. Et un œuf endormi. Bon, bah, pas d'emplacement de sort, ce seul. Mais bon. Toujours pratique. J'avoue que j'ai pas vraiment le level pour être ici, hein, en fait. Je me fais défoncer encore. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller se farmer quelques petits... quelques petits colosses qui sont à l'entrée du... Ils sont là-bas, là. L'ascenseur, voilà. On va commencer par l'autre. En définitive, l'autre est beaucoup plus facile à avoir. Et c'est 2500 âmes à chaque fois. Donc si je le fais 3-4 fois, on va faire vite un level avec ça. Mais reviens. Voilà. Et hop. Cinq mille âmes gagnées. Ça veut dire que j'ai pas le level encore hein, pour ici. Ça veut dire que là où j'étais, en fait, c'était là où je devrais être. Hein. C'est-à-dire qu'il faut juste que je sois un peu plus bon pour aller là-bas, quoi. Montée de niveau 28 000. Mais en fait, c'est ça, Aliori, il y en a de partout de ces églises-là. Et donc, c'est pour ça, là, tu vois, dans chaque zone... En fait, dans chaque zone, tu retrouves à peu près la même chose. Tu retrouves une tour, tu retrouves des petits donjons, des petites cavernes, et un gros donjon, un master donjon.
me suis rendu compte que c'était quand même plus habile de mettre 5 petits coups plutôt qu'un seul gros, parce que en fin de compte tu fais plus mal comme ça. Ouais, t'es quasiment mort, toi. Hop. En vrai, quand tu connais leurs points faibles, ils sont tellement faciles à battre. Contrairement à tous les autres. C'est des ennemis qui sont beaucoup plus faciles à battre que le reste, finalement. Et comme souvent, hein, les ennemis les plus gros dans le jeu sont ceux que tu bats le plus facilement. Non, j'arrive pas à monter par là. C'est dommage. J'ai pas gagné du temps. Cette musique me rappelle la musique de Jason et les Argonautes. Avec les colosses comme ça et tout. Allez, moi je vous laisse, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit à Liori, des gros bisous. Hâte de voir quelle fin tu choisiras. Ah ben là, de toute façon, je suis pas encore à la fin à mon avis. Hein. Ah non, remarque, c'est mieux de faire des gros coups. Ah ouais, c'est beaucoup mieux en fait de faire des gros coups, je dis des conneries. Merde, il est pas mort! On avait dit combien? Est-ce que c'est bon là? Statue? Eh, hey, un petit level de plus! Bon, bah ça y est, ça va commencer à y aller, quoi. Un petit level de plus. On va se prendre de la vie, hein, max, comme ça, là, on va commencer à avoir un peu de vie, quoi. Bye bye, le 69. Ouais, on est rendu 70, 71, là, 70. 70. Level 70. En vrai, j'ai envie d'aller me retenter les boss en bas. Je pense qu'il nous manquait pas beaucoup pour nous faire le boss qui est là, là. Et que j'ai presque envie d'y retourner. Allons-y. On est à combien? On est à 40 minutes de VOD. Il nous reste encore une bonne vingtaine de minutes. Ça peut nous permettre de faire des tries. C'est de l'autre côté. Hein? Comment ça? Comment ça, j'ai pas à battre le boss? Thought I might find you here. I must admit. I was a little worried. We missed our meeting. But it looks like you're still in one piece, eh? You must have heard by now, right? That Starscourge Radahn holds Rani's fate in stasis. But once he's out of the way, it'll spring back into motion. So now, we stand against the demigod once known as the strongest of them all. The way ahead is pleasingly simple. We fight, sword and fang. J'ai pas à battre ce boss?
Vous êtes en train de me dire... Vous êtes en train de me dire que le boss auquel j'étais bloqué depuis des jours, là... Je pouvais pas le battre. Vous êtes en train de me dire que j'ai plus... Marcus, là ! Viens ici, toi ! Je suis sûr que c'est ta faute. J'ai pas à me taper ce boss, finalement. Are you good and prepared, young chum ? Elle est excellente. The festival begins. I see when you are ready. Le double boss, celui avec la chimère léonine, plus le chevalier qui venait derrière. La chimère, j'arrivais à la péter, mais pas le chevalier. Et le chevalier, je vous disais, putain, mais je lui fais rien. Il est comme immortel. Et en fin de compte, j'ai réussi à lui enlever la moitié, mais finalement, j'avais pas à le taper. Regarde. En débloquant le médaillon, en allant récupérer le médaillon, bah finalement, le boss a disparu. Bon, donc, je l'ai raté. Alors, je l'ai raté, ça veut dire. Ah, you came. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being held? Well, it is none other. General Radahn himself. To think, I could face a great champion of the Shattering, a demigod. In truth, I quiver at the thought. But the fear. Be sure to get a good vantage, my friend. I. Alexandre, le point d'acier, jure de surmonter cette épreuve coûte que coûte. Ok, bah toi, si tu meurs, je pourrais avoir ton costume. J'en ai besoin. Bon, ok, là, attendez. Je veux voir ce qu'il y a là. Putain, c'est vachement beau quand même. Ça, c'est très Dracula. Hein. Les épées avec le ciel rouge écarlate comme ça et tout, c'est Dracula de Coppola à fond, quoi. Fermé, c'est fermé, bien sûr que c'est fermé. Ici, c'est un raccourci pour quand on aura, d'accord. Ok, bon, bah on est prêt, je pense. On a 400 âmes, donc on peut les perdre, c'est pas grave. Et on va aller voir lui qui va dire « Are you ready ?» Are you good and prepared, young chum? The fest... Tout est prêt. Et là, je me retape. Before we begin... Allow me to paint you the full picture. Oh là là, mais c'est trop classe! Mais c'est trop classe! General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Ah, c'est lui! Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Ah, c'est lui! Howling at the sky. But now, we must make merry. Oh, gathering of champions! The revels begin!
Oh merde. The celebration of war. The Redan Festival. You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore under the fort. General Redan is there, even now, divested of his wits, devouring corpses, and howling at the sky. Ah, va chier. Est-ce que tu penses qu'ils disent bro? Pierre de forge 6. Oh, mais pourquoi c'est pas une pierre de forge sombre 6? C'est une sombre dont j'ai besoin. Oh la vache. Oh, c'est là-bas qu'on va. C'est là-bas qu'on va. Hein. C'est là-bas qu'on va. Je vais pas ouvrir cette porte pour l'instant. D'accord. Je vais faire un truc qui se fait pas. Je vais faire un truc qui se fait pas du tout. Twitch, vous ne bougez pas. YouTube, on va arrêter la VOD ici. Et on va partir sur une nouvelle VOD. Tout de suite derrière, parce qu'à mon avis, ce boss, il va être top. En tabarnak. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous retrouve demain dans une nouvelle VOD. Des bisous, YouTube. À demain. Bye bye.